J'étais invitée à une exposition qui s'appelait Tombeau, qui était organisée dans Lyon, dans une abbaye, et puis dans la cathédrale d'Auxerre, qui est une très belle cathédrale. Mes deux commissaires avaient décidé de faire sur un thème du tombeau. Donc il y avait des peintres, il y avait beaucoup de monde. Donc il fallait faire le tombeau. Quant au spirituel, moi, comme je suis athée, tout ça. En fait, j'avais commencé à travailler en spirale et finalement, j'ai fini par donner la forme de cette expression de la spiritualité chinoise et enfin bouddhiste, du plein et du vide. En même temps, il est question de souffle, c'est-à-dire de resserrer et d'élargir. Probablement, j'ai commencé un an avant l'exposition à réfléchir. J'ai fait des plus petits tondos avec d'autres matières, un peu différents. Enfin bon, j'ai fait tout un travail de préparation. On creuse un sillon, on réfléchit, on améliore, on approfondit. Les œuvres se déterminent en les faisant. Je travaille en allant, toujours. Je réfléchis sur les tondos, mais en faisant des œuvres, qui sont elles-mêmes des œuvres. Moi, je ne fais pas de maquette. Je ne sais pas faire des maquettes. Un geste, on amène un autre, et une figure, on amène une autre, et les choses se construisent au fur et à mesure, l'une par rapport à l'autre.